Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo donc sur le gameplay The Crew 2, donc c'est le deuxième épisode et je reprends la vidéo exactement là où je vous avais quitté sur la première, en pleine course. Allez, on est reparti. Voilà, donc comme vous voyez, je suis avec la petite Porsche, je suis dernier. Forcément. Mais bon, j'espère que je vais les rattraper quand même. Alors, je suis déjà à 60%, donc je crois que ça va être dur. Hein. Mais bon, on va voir. Bon, en tout cas... pas déçu de ce jeu, hein. Franchement, je le trouve bien bien stylé. Là, je commence à me faire un peu aux commandes, tout ça. Bon, je dis pas que je suis encore un pilote, hein. Mais bon, je commence un peu à comprendre comment le jeu marche. Une petite heure d'adaptation, quoi. Bien, t'as réussi. Ouais, j'ai réussi. Allez, viens avec moi. Je vais te montrer un truc. Ouais, il m'a embauché, je suis dernier. J'ai pris 9000 balles. Bon, ça valait le coup au final. Bah voilà, du coup, j'ai débloqué, je pense, toutes les sortes de. D'épreuves. Alors on va continuer. Hein. Tu as fait une belle course. Tu as donc gagné ton droit d'entrée au spot. Le point de ralliement de la J'ai fait une belle course, les amis. Hein. J'ai terminé 8e. Hein. Je fais partie de ceux qui veulent donner un cadre officiel. Sans déconner. Si tu penses pareil, on pourra peut-être s'entraider. Lui, par contre, il veut que ça reste underground. Son nom, c'est Edgar Marquez. Mais vaut mieux que tu l'appelles. C'est quoi, c'est pas la P1, ça? Dans le coin, c'est lui le champion. Le roi du 400 mètres n'est pas arrêté. Si tu veux arriver à le battre, va falloir que tu donnes tout ce que t'as et deux ou trois trucs oh, que je vais te prendre. Vous avez vu la voiture jaune qui est au fond là? Ok, t'as du talent. Mais moi, la ce que je t'offre, c'est la maîtrise absolue. Tu vois les caisses? J'ai hâte de la tester dans ce jeu. Il y en a une pour toi. Disons que c'est un cadeau pour avoir passé le test. Les autres bagnoles, par contre, il va falloir que tu te les payes. RX7. Gagne des courses, ben fais-toi respecter et tu pourras t'amuser avec plein de chouchous. Drift, drag racing, oh, jantes carbone, Regera. Enfin, tu vois le genre. Il faut que tu cours et surtout, il faut que tu gagnes. Alors choisis une voiture, prends le volant et montre-moi ce que tu sais faire. Ah. Ben moi, j'aurais bien testé à Regera, les amis. Hein. Récupérer votre voiture, bah attendez, avant de la récupérer. Oh mais... Si si, j'allais dire, essayer, allez go. Bon après j'aurais bien mis une grande ligne droite quand même. Hein. Oh vous entendez le bruit qu'elle fait? Oh là là! Oh, par contre, elle tourne pas. Alors attendez, juste. Non. Bon, les gros arbres, on passe pas à travers. Les balcons non plus. Ouais, ça va être dur quand même, franchement. S'ils nous mettent des courses comme ça avec des bagnoles aussi puissantes dans des routes aussi petites et étroites, ça va être dur à gérer. Bon, elle fait un bruit, on dirait un avion de chasse le truc. Bon, récupérez votre voiture. Bon, allez, on va récupérer notre voiture. On va faire les épreuves dans l'ordre quand même parce que. Donc logiquement, c'est celle-là.
Voilà, alors choisir gratuit. Oh, j'en ai pas mal des gratuites là. J'ai Audi TT aussi, gratos. Alors 114 sur 280, 112 sur 280 et 110. Bah, je pense que je vais passer direct à l'Audi TT. Hein. Alors après, ça. Oh, mais c'est quoi celle-là? Cadillac. Chevrolet. KTM. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette bécane. La Kawa. Oh, je préfère le KTM. Précommande. Ça, c'est la bécane donc, que je peux, qui m'ont filé avec le pack. Hein. Oh, le Hummer. On peut tester un Hummer, les amis. Mazda RX-7. Ah, celui-là, on le connaît. C'est fou, ils l'ont remis là-dedans aussi. Oh, il y a quand même beaucoup de bagnoles. Hein. 370Z. Je comprends pas d'ailleurs qu'il n'est pas mis dans le payback. M2. Qu'est-ce que c'est ce truc? SL63 AMG. Ça, c'est un bel outil quand même. Hein. Ça, c'est quoi ça? Alfa Romeo 4C. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Les bécanes. Ça, c'est quoi? Une RX-8? Ah non, pas du tout. Maserati. Shelby. Aston Martin. Lotus. Ça, on dirait un Merco. Ouais. Mercedes. Aston Martin. Oh, mais il y a plein, plein, plein de bagnoles. Viper. Ah. Non, c'est pas la RSR, les amis. Alors, la suite. Ça, c'est pas dégueu. Ouais. Ça, c'est pas dégueu du tout. Ah, Viper. Tac, 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 tac. Ça, c'est quoi, ça? Ah, bah voilà, ça, c'est sympa aussi. Oh, mais il y en a combien des... Mais non! La SLR. Bon, mais il y en a trop des bagnoles. Ah voilà, c'est, on est arrivé au bout, enfin. Bon, il y a de quoi faire. Il hein. Y a de quoi faire. Je sais pas combien il y a de véhicules en tout, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Surtout que là, il n'y a que moto et voiture. Bon, allez, on choisit celle-là. Alors, une petite TT. Alors moi à l'époque je voulais me la prendre noir, blanche avec les capots toit noir. En noir elle déchire aussi. Ben, je vais me la prendre blanche. Voilà. Je vais me la faire comme je voulais la faire à l'époque. Oh, elles sont sympas celles-là. Ben, on va mettre celle-là. Récupérez votre véhicule gratuit. Je veux. Je prends. Voilà, je pense qu'on a débloqué toutes les épreuves. Tu te rappelles ce qu'on disait à propos de customiser tous les styles d'épreuves. Et ben là, on a les outils pour le faire à la maison. Mais rien avec des flammes, ok? Ok. Ah. Donc là, j'ai maison. Et en bas, je crois que j'ai une maison aussi à Miami, donc une maison. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire dans ces maisons. On va aller voir ça de suite. Allez, alors, customisez vos véhicules et admirez vos collections et laissez parler votre créativité. Donc c'est là qu'on fait du tuning. Allez, go. Oh, bord de plage. Hein. Putain, le mec y a des ronds quand même. Hiro est dans la place. J'adore cet endroit. Ici, tu peux te détendre, changer de tenue, modifier l'apparence de tes véhicules ou n'importe quoi d'autre quand tu conduis pas. Je sais pas, ça doit bien t'arriver, non? Enfin, tu verras. Jette un coup d'œil, elle est énorme cette baraque. Regarde-moi ça. Bonne hauteur sous plafond. Ah, ça c'est quoi ça? Ouais, il faut faire quoi? Personnaliser avatar. Ah ouais. Alors, ça c'est quoi? Haut du corps. Ouais, il faut faire quoi?
Ok. Casque. Ben ouais, mais comment on fait pour changer les... Ah voilà, ok, ça marche. Mais non, stylé avec le jean. Bon, je crois que pour moi, ça sera le jean un peu bagué. Hein. C'est très bien. Ouais, c'est aussi pas mal. Ouais, ça j'aime pas. Ouais, ça. Allez, remettre ça. Alors, bas du corps, ok. Les godasses. Allez. Ouais, ça, pas mal. Ah, ça j'aime bien. Allez, va pour ça. Tenue. Bah non, je veux pas une tenue. Sinon, ça peut rien avoir avec ce que j'ai fait. Haut du corps. Olé. Angel. Ah, ça c'est parfait. Gant. Ah, du coup, ça l'a pas mis? Acheter, ah ouais, parce qu'après il faut acheter 1600 balles pour le pull. Sérieux? Ouais, bah j'achète. Je sais pas si je fais bien d'acheter, mais bon. Des gants. Et on est obligé de mettre des gants. Ouais, bah c'est quoi, hein, j'ai envie de dire, pour le prix, je crois que ça va rester. Ah, on s'en fout un peu. Bon, moi j'aimerais bien custom la bagnole. Alors là, il y a un petit avion. Alors la cuisine. Il n'y a pas à boire. Bon, ok. Bon, donc là il y a l'avion, là il y a la bagnole, et par contre l'autre bagnole, il n'y a pas. Donc alors on va essayer de customiser celui-là, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Livrer, pièce esthétique, pièce performance. Ouais, donc là on peut rien faire en fait, on peut que faire avec les petites pièces qu'on reçoit à la fin des courses quoi. Bon, ok, ça marche. Donc esthétique, alors les jantes, couleur des étriers, et alors on peut faire que ça, c'est tout. On peut faire que les jantes? Non. C'est quoi ça? Livré. Exclusivité. Top. Ah ouais, donc ça c'est les vinyles. Ouais bon, je vais laisser tel quel. Hein. Quoique celui-là était pas mal. Top 100. Suprême. Ouais, bon allez, on s'en fout, on laisse tel quel. Par contre, pièce esthétique, on peut rien faire du tout. Mis à part les jantes, quoi. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Alors, on va aller voir. Le bateau, on peut le customiser ou quoi? Customiser, allez. Alors peinture, ça aussi. Pièce esthétique, on peut pas pour l'instant. Performance, on peut. Bon, pour l'instant, j'ai pas de pièce pour lui. Bah ok. Bon bah, on peut s'échapper de là. Alors, comment on fait pour bouger? Alors. Ça c'est quand même bien stylé, le truc de la carte là, c'est ça tue.
Et là en bas, la maison en bas, c'est quoi? C'est peut-être les voitures là? Oh, la map, elle est super grande. Entrée. Oh, alors là, c'est encore mieux qu'une maison en bord de mer, là, c'est une maison sur l'île, carrément. Alors là, l'atelier. Ah bah c'est pareil en fait. Bon, ok. Ok. Bon, ça marche. Allez, on s'échappe. Bon les amis, on va aller faire des courses. Ça c'est quoi ça, ce petit éclair là? Port de Miami. Slalom. Bah allez. J'ai modifié deux trois Changement trucs pour que tu automatique de puisses passer véhicule. plus rapidement d'un type de véhicule à un autre. C'est qui Ouais. le meilleur, hein? C'est qui, hein? Bah c'est Oh moi, merde. non? Hop, 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 hop. J'ai pris une vague. Bon, j'aimerais bien tester le drift après. Vous savez quoi? On va se faire le drift. Obtenu. Ah, donc là j'ai raté. Ok. Donc comment on fait pour refaire? Astuce, caméra autour du véhicule. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Hey, tu te rappelles ce que j'avais fait pour On va que tu essayer. puisses switcher entre deux types de véhicules? Non. Bah maintenant, tu peux le faire avec trois. Olé. Non, non, me remercie pas. Oh, vous avez vu quand je mets le NOS? Bon, du coup, lui, c'est quoi lui? Je sais pas. Bon, du coup, j'ai loupé mon épreuve. Bon allez, c'est pas grave, on va faire. J'aimerais bien voir du drift. Challenge, street race. Peut-être ça. Bateau, street race. Rallye. Bon, on va faire du street race. Je pense que pour l'instant, j'ai pas de drift. Ah, j'ai. Alors je viens de zapper, mais j'ai Regarde-moi vu que sur la droite débutant. il y a écrit normal ou Ça départ de nulle difficile. part et ça se prend tout Alors j'ai près. l'impression qu'on Je peut te choisir jure. On verra si à ça se chaque croit fois qu'on ton fait une course permis et on quand il prend n'y en aura normal plus ou en sa voiture difficile quoi. étrangère. La petite Pour aborte, certains voilà. pilotes, il n'y a que ça qui compte. La fête, les amis, les voitures. Facile de comprendre pourquoi ils ne veulent pas que ça devienne légal. Il va falloir du temps pour que plus de gens voient les choses à ma façon. Mais je suis pas pressé. Regarde-moi toutes ces caisses. Ce sont de vrais monstres qui sont réunis ici. Mais tu sais de laquelle notre camarade devra vraiment se méfier? La petite qui a l'air toute normale là-bas. Hein? Elle a pas l'air terrible. On dirait pas comme ça, mais c'est un vrai monstre qu'elle a sous le capot. Et si on fait pas gaffe, ce monstre va nous dévorer tout cru. Carrément. Sympathique la Porsche, hein. À l'ancienne. C'était pas moyen de prendre un petit raccourci. On dirait que le sleeper vient de se réveiller. Ça fait bizarre d'avoir la carte à droite. Hein. Oh là là. Bon, le frein à main, si on Je le n'utilise crois pas le pas, frein. comment il trace? C'est pas terrible. Alors allez, on repart. Ah, j'ai plus de noces.
Allez, 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 allez. Putain, mais c'est pas possible. Ou c'est trop ou c'est pas ça. Oh là là. Je fais de la dope. Putain, j'ai réussi à reprendre la tête. Et je repasse derrière. Bah ça, je suis qu'à 33%. J'ai le temps de rattraper tout ça, je pense. Je sais pas de... si je me loupe pas encore une fois. Alors là, je comprends rien. Oh, je sais pas où je vais, les amis. Mauvaise direction. Je suis mort. Bah, je crois que je suis mort au conseil pour ça. Ah, mais où je suis allé sans déconner? Où je suis allé me perdre? Oh, pauvre. Oh, putain. Bon, allez, y a pas moyen de recommencer. Comment on fait? Ah, mais ça sert à rien. Oh là là! C'est quoi cette vue pourrie? Retour en piste. Wow, alors là c'est un gros fail les amis. Ça me bouffe du temps de la vidéo. Ah, le klaxon flèche de bas. Non mais sans déconner, ils doivent être à 3 km devant les autres. Comment on fait pour recommencer? L1 ou R1? Ah non, les deux en même temps. Il fallait le savoir. Alors, paramètres de jeu, notification, commande, configuration. Et il n'y a pas pour recommencer? Allez. Et la traîne, c'est légal une caisse comme ça pour le street? En street, il n'y a rien de légal. Bon, bah, je c'est continue, un peu ça le problème. Je sais pas comment on fait pour recommencer. Hein. C'est pas facile de convaincre les gens de renoncer à tout ce qui les fait kiffer du jour au lendemain. Et si vous savez comment on fait, dites-le moi dans les commentaires, hein, parce que là, je suis paumé. Bah c'est même pas la peine, hein. J'essaie de faire la course. Mais... file de là toi. Ah c'est dommage que je sais pas comment faire. Ah, recommencer. Recommencer les amis. Donc c'est triangle. Bon, fallait le savoir. Une fois de plus, je le sais. Maintenant. Bon, on aura perdu 3 minutes. Hein. Waouh, on dirait que le sleeper vient de se réveiller. Allez go. Hop là. Bah, j'ai plus de noces. Alors je sais pas c'est quoi ces trucs là sur la gauche là, qui est droite et gauche. Là. Et deux piliers ça là. Bah, je vais foncer dedans, on va voir ce que ça va faire. Hein. Bon, ça part.
Bon, c'est pas dégueu. Là, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Ah, je suis exaudé. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? Je le crois pas, comment il trace? Hé, la trail, c'est légal une caisse comme ça pour le street? En street? Mais elle est super longue la course, je suis à peine à moitié. C'est ça le problème. C'est pas facile de convaincre les gens de renoncer à tout ce qui les fait kiffer du jour au lendemain. Mais je suis troisième. C'est où le point? Ah, juste devant en fait, c'est pas très loin. Oh, j'ai plus de masse. Ça c'est dommage. Olé. Checkpoint crédité. Oh non. Oh là là, je savais pas qu'il y avait ça. Oh la bouse. Bon les amis, ça pue du cul encore une fois. Je suis dernier. Ah, je savais pas que si on était pas pile poil au checkpoint là. Oh, c'est dommage. Bon, tant pis, hein. C'est une course où j'ai terminé dernier, une fois de plus. Ah! Allez, go! Voilà, c'est chaud là. Arrivé. Bon ben, je suis dernier. Bon, c'est pas grave. Terminé dans le top 3. Épreuve ratée. Bon, c'est pas grave, on va faire une autre course, moi en cas je la ferai en off, hein. C'est rien que je la refasse encore une fois. Ah, petite vidéo. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, bon je la referai. Hein. Ça c'est quoi ça? Drift, ah bah voilà les amis, hein, ce que je voulais faire. Alors on va aller voir ça de suite. Ouais. Ça doit être pas trop. Alors ça c'est pas, c'est pas. On va aller dessus. Ça va lancer une épreuve ou non, rien du tout. Ben ouais, mais c'est bien beau ça, mais il faut que je fasse quoi? Yes, t'as gagné de nouveaux followers avec l'action que tu viens de faire. Toutes alors celles que tu réaliseras à partir de maintenant t'en rapporteront encore plus. Alors on donne-toi à la bagnole. Ah voilà, c'est carré. Ok. Bon, elle a du mal à partir quand même, franchement.
Faut pas t'inquiéter. Hein. Oh là, elle part pas du tout. Ouais, bon, de toute façon, c'est même pas une épreuve là. Alors, allez, on s'échappe de là. On va faire une course. Street Racing. Là, il y a des mecs. Épreuve Mercedes-Benz Rally. On va faire du bateau. Allez, on fait du bateau. En cas, après, on fera de l'avion. Pour changer un peu. Allez, c'est parti. Non. Je sais que c'est pas mon genre de dire ça, mais... Ouais. T'es sûr de vouloir faire cette course ? Et c'est pas mon genre de dire que tu stresses trop. Comme quoi, tout arrive. T'inquiète, avec cette course et celle de Vegas, on va montrer de nouveaux spots au public. Et tu penses que ça peut nous ramener de nouveaux admirateurs ? C'est l'idée, ouais. Avec un site comme ça, on prend un gros risque, mais un risque nécessaire. Il y a un truc qui change pas, par contre. C'est toujours le meilleur pilote qui gagne. Allez, c'est parti, les amis. Bon, faut que je gagne, cette fois. Cette fois, il faut que je gagne. Non, je sais pas ça. Oui. Mais c'est quoi ces mauvaises bouées là? Mais garde-moi. Bon, le note, il met quand même pas mal de temps à se recharger à chaque fois. Allez, Dana, faut que je te double. Oh, là, ça sent le petit saut, les amis. Oh là 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 là. Wouah. C'est quoi ce truc de ouf? Oh là 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 là. Bon, mes amis, je viens de sauter un barrage. Là, c'est quand même du lourd. Là, c'est super bien fait. Je sais pas si vous faites gaffe un peu le décor. Là. Les montagnes et tout, je trouve que c'est vraiment beau. Oh non! Oh, j'y crois pas. Oh, juste à la fin. C'est super simple. Ah, mais putain, pourtant j'étais accéléré deux ans, j'ai pas relâché une seconde l'accélérateur. Plus on t'invitera à faire de nouveaux trucs qui te feront gagner encore plus de followers. Bon, deuxième. Ça, c'est pas trop bébé non plus. Plein de bugs. Et avec ça, oh, je suis à 60 000 balles. Tout ce qu'on veut. Ah. Et du coup, j'ai un peu le temps de prendre les pièces moteurs. C'est qu'on a rien sans rien. Si tu veux rester dans le coup, faut évoluer. Et si ça veut dire essayer de nouveaux endroits, que ce soit le centre-ville ou à 100 bornes du milieu de nulle part, ben c'est peut-être ça qu'on doit faire. Mais je sais que c'est un pari risqué. Ça sert à rien de gagner de nouveaux fans si on perd les anciens. Faut trouver un juste milieu. C'est ça notre philosophie. T'as la Formule 1, ça aussi, ça va être un truc de ouf. Hein. Bon alors, ça c'est les pièces pour le moteur. Voilà. Accélérateur et hélice. Oh, je suis deg d'avoir perdu. Ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est un bateau qui était... qui était quai bleu.
Bon, allez. On a dit qu'on allait tester un avion, les amis. Donc, on va y aller. Ici. Alors, allez, c'est parti. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est à quel point Sophia est une pilote exceptionnelle. Elle a établi plein de records, y compris celui-là. C'est peut-être pas le plus impressionnant, mais ça reste le score à battre. Départ. Tu vas devoir réaliser une liste de figures, et une fois que tu l'auras terminée, t'en recevras une autre. Je passe pas en basse altitude. Oh là là, non! Ah, oh, mais vous avez vu comme ça descend d'un coup à chaque fois. Ça, je trouve que c'est super chaud quand même. Ça et ça. Bah, je le recommence du coup. Je sais pas si ça l'a pris en compte. Là, c'est bon. T'as fini la liste. Maintenant, déjà épate-moi. Entre deux listes, tu pourras faire un peu de freestyle et montrer ce dont t'es vraiment capable. C'est super important de bien maîtriser les deux. Allez, on va se prendre un arbre. En fait, oui, je pensais qu'on passait à travers, mais en fait, les gros arbres, on passe pas à travers. Figure. Oh, c'est quoi ça? Prise d'altitude. Avec du nos. Alors, je sais pas jusqu'où on peut aller. Diriger l'appareil vers l'eau. Et pourtant, je sais vers l'eau depuis tard. Voilà, là c'est bon. Vers le bas. Looping vers le bas. Oh là là, stylé. Stylé, stylé. Piquer. Et ça, les piquer, c'est... avec du nos. Tu vas pouvoir nous montrer ton style. Ton freestyle. On a quand même une bonne impression de vitesse, quand même. Figure imposée. Basse altitude. Oh mais là il y a des arbres là-haut. Oh là il y a des arbres là. Il n'y a pas un cours d'eau là quelque part, hein. Un plan d'eau. Ah là ça pue là. Il y a un peu trop. Ah là. Ah quand il y a des arbres comme ça. Ah ouais. Je sais pas si on perd des points. Et comment je peux faire là? Il y a plein d'arbres. Ah là. Bon du coup je crois que j'ai pas... Ah si j'ai... Ah bah c'est bon alors, j'ai eu. C'est bon, j'ai réussi. Ah, je vais pouvoir m'augmenter le petit truc là. Accélérateur. Ça c'est quoi ça? Ah. J'ai essayé de passer par dessous. Ah, ça va trop vite là, il peut pas freiner un peu. Attends mais on va essayer les amis, on va essayer, on est ouf. J'ai à peine touché l'aile. Bon allez, tant pis, on sait quoi. Bon, j'y arriverai pas. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Olé.
J'en ai fait des kilomètres là. Las Vegas. Bah voilà, hein. On peut aller se faire ça. Allez, c'est parti. C'est parti. T'es sur une terre sacrée, là. Non, mais là, je suis en voiture alors que je suis en avion en ce moment, je suis en voiture. Alors, si t'arrives à faire la même chose que lui, tu peux être sûr que ça va attirer l'attention. Je suis même pas allé la remonter tout à l'heure. Go. Oh là là, il y a un pilier là. Petit saut. Où j'ai eu je crois que j'en suis. T'es au courant que tu fais une course là? Il va falloir songer à accélérer un peu. Ça manque de noces là. Checkpoint correcté ? Oh non, pas encore. Putain, c'est relou ça. Ah ouais, parce que j'ai coupé en fait. Bon ben, je crois que c'est mort. Hein. À chaque fois, je me fais avoir avec ces checkpoints là. En fait, il faut avoir le nez constamment sur la carte, les amis. Ouais, elle est pas quoi, hein. Enfin, pas constamment, mais il faut tout le temps jeter des petits coups d'œil pour savoir où sont les checkpoints. C'est qu'on pouvait sauter ça, mais on peut pas. Bon ben c'est sûr que je vais être dernier. Hein. La bouge. Bon voilà, je suis dernier. Eh ben, terminé dans le top 3. Bon ben ça c'est des courses que je ferai en off. Hein. Bon, j'ai gagné un peu d'argent quand même. Malgré que je sois dernier. Bon alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On pourrait se faire un petit... On va partir par là. Un petit rallye.
Allez. Ah mais non, j'ai vu qu'il était fait celui-là. Je crois que je l'ai fait apparemment. Je suis pas sûr. Et ouais, normal, il est fait. Donc en gros, il faut que je fasse un difficile. Comment on fait? Ah oh, bah non, j'ai pas le choix. J'ai déjà lancé le truc. Donc on a dit triangle. Abandonné. Ça sert à rien que je la fasse, je l'ai déjà faite. On va essayer de la faire en difficile. Changement, changer les petit difficultés. Rappel, difficile. Il y a un niveau recommandé pour chaque épreuve. Voilà. Alors informe-toi avant d'essayer. Bien entendu, tu peux ignorer les recommandations si tu penses que t'as le niveau. Mais il vaut mieux connaître les règles avant de se lancer, tu penses pas? Allez go. Bon les amis, je vous connais pas du lourd, hein. Franchement, niveau difficile. Ok, c'est nul. Alors battez, j'ai pas vu combien il fallait le battre. Bon, de toute façon, ça allait tout en dessous. Voilà. Je pensais que je voulais le défoncer tranquille, ce truc. Oh là, il y a un gros gros saut. Ouais, c'était le toit d'une maison. Beaucoup de pierres. C'est quand même bien stylé. Hein. Oh, il est passé très près le tronc d'arbre là. Aïe. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Oh là là. Ah, je me rappelle avoir fait cette course. Donc dans la première vidéo. Oh, un petit cerf. Ah, l'arrivée est là. Et je crois que... Je crois que j'ai pas gagné, hein, c'est le plus. Oh, je crois que ça, je crois que toi c'était un saut, mais en fait pas du tout. Il y a beaucoup d'arbres. Bon les amis, je termine cette course et puis j'arrêterai la vidéo là. Minutes 24. Oh, il faut faire 40 secondes de mur. Là c'est clairement pas possible quoi. Il faut vraiment une bagnole avec le moteur modifié de ouf quoi. Parce que là c'est 40 secondes, c'est énorme. Bon ben voilà, vous savez quoi les amis, je vais arrêter la vidéo là.
Je vais donc, vous savez quoi, dans la prochaine vidéo, on va modifier donc les deux véhicules que j'ai gagné les pièces là. Donc je crois qu'il y avait l'avion et je crois le bateau. Donc dans la prochaine vidéo, on fait ça et on continue les courses, celles que j'ai pas faites. Moi, celles que j'ai perdues là dans cette course, je vais essayer, enfin, je vais les faire en off. Voilà. Comme ça, au moins, vous verrez pas 15 fois les mêmes courses. Et puis voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien que j'aurais perdu pas mal de fois. Si ça vous a plu quand même, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite donc pour un nouveau let's play donc sur le jeu The Crew 2. Voilà. Allez, sur ce les amis, bon game à vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus les amis, à plus. Ciao.